Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, comme je l'avais promis, je vais analyser les programmes de tous les candidats à l'élection présidentielle. Au départ, je pensais réaliser 11 vidéos de 5 minutes pour résumer le programme de chaque candidat. Puis je me suis rendu compte que les chaînes YouTube de Cyrus North et de Hugo Décrypte le faisaient déjà très bien. Donc si vous voulez des renseignements spécifiques sur tel ou tel candidat, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo sur YouTube, je vous ai donné plein de liens. Mais avant de me rendre compte que les autres YouTubeurs avaient déjà traité le sujet, je me suis quand même tapé tous les programmes de tous les candidats. Donc ce serait bête de pas en parler au moins une fois sur cette chaîne. Je me suis dit que ce serait intéressant de proposer une vision d'ensemble de ce que nous proposent tous les candidats, plutôt que d'analyser programme par programme. Le but de cette vidéo, c'est de montrer les sujets qui sont mis en avant lors de cette élection, et surtout les problèmes auxquels la France fait face, et les différentes solutions que les candidats nous proposent. Il faut bien faire honneur au nom de la chaîne, Demos Kratos, on va donc commencer par le volet démocratique. Il est très intéressant de voir que la majorité des candidats proposent le référendum d'initiative populaire, que je considère comme une des mesures phares de la démocratie. En deux mots, c'est des référendums qui sont déclenchés directement par le peuple. Mis à part Fillon et Macron, tous les candidats le proposent. Mais bon, il faut faire attention parce que c'était aussi au programme de François Hollande. D'après ce que j'ai compris des programmes, parce que bon, il reste quand même pas mal flou sur ce point, Benoît Hamon voudrait un référendum d'initiative populaire consultatif, et les autres candidats voudraient un référendum d'initiative populaire législatif. Mélenchon et Artaud proposent même la version révocatoire afin de pouvoir révoquer des élus. Je vous laisse aller voir les vidéos que j'ai réalisées au sujet du référendum d'initiative populaire pour mieux comprendre toutes ces distinctions. Deuxième point de ce volet démocratique, les modifications constitutionnelles. Le réel nouveau thème de cette élection, c'est la 6ème République. Beaucoup de candidats en parlent, même si pour la majorité, il s'agit uniquement de modifications de la constitution actuelle. D'un côté, on a Jean-Luc Mélenchon qui propose une 6ème République qui sera écrite directement par le peuple. Et de l'autre côté, tous les autres candidats proposent des petites modifications de la constitution actuelle. Globalement, du côté de Macron, Fillon et Lassalle, on ne touche pas à la constitution. Elle est très bien comme elle est. Du côté de Marine Le Pen, on va essayer de renforcer le pouvoir du président et surtout d'inclure dans la constitution la préférence et l'identité nationale. Chez Dupont-Aignan, Asselineau et Cheminade, on cherche à augmenter le pouvoir du président dans une vision, je dirais, gaulliste. D'un autre côté, chez Hamon, Artaud et Poutou, on cherche au contraire à réduire le pouvoir du président et à augmenter celui du Parlement. Bref, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer 10 000 trucs dans notre constitution actuelle, et le moyen de trouver un compromis entre tout ça, ce serait peut-être d'en réécrire une nouvelle. Comment ça, je suis pas objectif? Bien évidemment que non, je suis pas objectif, et je l'admets volontiers. Je pense réellement qu'une 6ème République écrite par le peuple permettra de choisir les meilleures réformes qui sont proposées par les différents candidats et de les mettre en place beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Après, chacun son avis, hein. Mais sur ma chaîne YouTube, je pense que j'ai le droit de donner le mien rapidement. Pour commencer, Poutou et Artaud veulent sortir du capitalisme et instaurer le communisme, c'est-à-dire la redistribution des moyens de production et surtout la nationalisation des plus gros secteurs. Du côté de Macron et de Fillon, c'est le néolibéralisme. En gros, on efface progressivement le rôle de l'État et on donne les clés de la société au marché. C'est la ligne promue par l'Union européenne, mais j'y reviendrai plus tard. Et tous les autres candidats critiquent plus ou moins le capitalisme et le néolibéralisme et proposent que l'État reprenne le contrôle de l'économie afin de mieux l'organiser. Ce contrôle permettra de réduire les inégalités et surtout d'injecter de l'argent dans l'économie afin de relancer la machine. C'est globalement une politique keynésienne. Pour ce qui est de l'euro, Le Pen, Asselineau et Cheminade veulent en sortir et revenir au franc. Mélenchon et Dupont-Aignan proposent de faire coexister l'euro et une monnaie nationale. Ça s'appelle de la permaculture monétaire pour ceux que ça intéresse. Fillon, Macron et Hamon veulent continuer et renforcer l'euro. Et pour finir, Poutou, Artaud et Lassalle n'ont pas réellement de points dans leur programme sur cette question. Bon. Le réchauffement climatique, c'est une réalité qu'on sous-estime bien trop souvent. On est quand même à ça de se prendre des grosses catastrophes naturelles qui entraîneront une immigration massive qui posera des gros problèmes aux pays riches. Comment ça, c'est déjà le cas? C'est pas écrit sur le scénario, là! J'en ai marre, on me prévient jamais à l'avance, aussi. Alors sur ce sujet, on a trois écoles. Les écolos, les climato-sceptiques, et ceux dont l'environnement n'est pas leur préoccupation principale. Pour commencer, on va parler du club des écolos présidé par Mélenchon et Hamon. L'environnement est clairement au centre de leur programme. C'est très simple, à chaque fois qu'ils parlent d'une mesure économique, c'est en même temps une mesure écologique. Chez Poutou et Artaud, on remet en cause le capitalisme, qui est la principale cause du réchauffement climatique.
Donc globalement, en sortant du capitalisme, on réduit la pollution, ça fait le taf. Alors là, du côté de Macron, Fillon et Le Pen, on est au club des climato-sceptiques. Ils ne diront jamais très clairement que le réchauffement climatique n'existe pas, mais ils cherchent à minimiser constamment tous les problèmes environnementaux. Chez Dupont-Aignan, Asselineau, Cheminade et Lassalle, alors là, on sent qu'ils sont bien conscients qu'il y a un problème avec l'environnement, qu'ils essayent de proposer quelques petites mesures, mais bon, c'est très clairement pas leur priorité principale. Pour finir, on va parler politique étrangère. Ici encore, on a deux clans bien distincts, les atlantistes et les indépendantistes. Macron, Fillon et Hamon sont clairement dans le club des atlantistes, dans le sens où ils veulent garder la relation privilégiée entre la France et les États-Unis, ce qui implique notamment de rester dans l'OTAN. Vous l'aurez compris, je classe tout le reste des candidats dans la case indépendantiste, dans le sens où ils veulent redonner à la France une position indépendante sur la scène internationale. Mélenchon, Asselineau et Cheminade veulent sortir de l'OTAN pour rendre son indépendance à la France vis-à-vis des États-Unis et surtout arrêter de les suivre dans leur guerre, et en plus de ça, ils veulent redonner le pouvoir à la seule institution internationale qu'ils jugent légitime, l'Organisation des Nations Unies. Le Pen, Dupont-Aignan et Lassalle ne veulent pas sortir de l'OTAN, mais ils veulent quitter le commandement intégré, c'est-à-dire arrêter de payer pour l'OTAN et surtout d'être obligés de suivre les guerres américaines. Pour ce qui est de Poutou et Artaud, ben, l'impérialiste capitaliste américain n'est pas vraiment un ami pour eux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc même s'ils n'ont pas de position claire sur l'OTAN dans leur programme, leur position laisse à croire qu'ils y sont plutôt hostiles. Pour finir, on va parler de l'Union européenne, qui est quand même un des thèmes principaux de cette élection. Pour commencer, Macron, Fillon et Hamon ne critiquent pas du tout l'Union européenne. Pour eux, y a peut-être quelques problèmes, mais globalement ça reste les copains. Et il faut renforcer l'Europe actuelle. Chez Dupont-Aignan, Cheminade et Lassalle, il faut remplacer l'Union européenne actuelle par une communauté d'États souverains. En gros, passer à une Europe des nations plutôt qu'une Europe fédérale. Chez Mélenchon, Poutou et Artaud, on retrouve la visée internationaliste des communistes qui veulent refonder une nouvelle Union européenne moins libérale et plus sociale. Et si ce changement ne s'opère pas rapidement, ils proposent de quitter l'Union européenne actuelle pour en refonder une nouvelle avec les pays qui accepteraient cette visée sociale. Pour Le Pen, c'est très simple, elle organisera un référendum pour proposer aux Français de décider s'ils veulent rester ou sortir de l'Union européenne. Elle n'a pas encore précisé de date exacte sur l'organisation de ce référendum. Et ce sera tout pour cette partie sur l'Union européenne. Quoi? J'ai oublié quelqu'un? Vous êtes sûr? Mais bien évidemment que je vous ai pas oublié, les militants UPR. Enlevez-moi tous ces commentaires de rageux là sous ma vidéo. Oui, il y a François Asselineau, qui est le seul candidat à proposer une sortie directe et sans condition de l'Union européenne. Voilà, je pense que je vais terminer ma vidéo ici parce que elle aura déjà duré assez longtemps. Et puis au cours de mes recherches, je suis tombé sur un outil du journal Le Monde qui permet de comparer très facilement les programmes de tous les candidats. Donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.